le duc d'York en dise grâce. Mercredi 3 janvier dernier, la justice a publié le nom de plusieurs personnalités, liées de près ou de loin à Jeffrey Epstein, financier new-yorkais accusé de trafic sexuel de mineurs et retrouvé mort en prison en 2019. L'ensemble des noms figurant dans le dossier judiciaire ne sont pas soupçonnés d'avoir abusé de jeunes filles et d'adolescentes. En effet, leur degré d'implication dans cette affaire varie d'une personne à l'autre. Michael Jackson est mentionné pour sa présence dans la maison de Jeffrey Epstein à Palm Beach, Donald Trump est cité en tant que connaissance de l'homme d'affaires, tandis que le prince Andrew est directement visé pour des faits répréhensibles. Par ailleurs, les accusations de viol à l'encontre du frère du roi Charles ne sont pas nouvelles. Les hauts responsables de la famille royale, à commencer par le prince William, ont déclaré que l'implication du prince Andrew dans l'affaire Epstein constitue une menace directe pour l'avenir de la monarchie. Une source proche de la famille royale a confié au Mirror que Charles III était au pied du mur. Le roi n'a d'autre choix que de rompre complètement les liens avec Andrew. Ce dernier sera à jamais entaché par son association avec Epstein et malgré ses dénégations, le flux constant d'informations sur Epstein et Ghislaine Maxwell est une menace pour la famille royale. Il n'y a aucun retour en arrière possible pour lui. Andrew ne devrait pas avoir de place en public aux côtés du roi ou de tout autre membre de la famille royale. A révélé la source dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie? Des anti-monarchistes appellent à enquêter sur le prince Andrew. Le groupe anti-monarchie britannique Republic a exhorté jeudi 4 janvier la police de Londres à enquêter au sujet du prince Andrew, cité dans le document judiciaire américain dévoilé un jour auparavant. Nous venons de faire un signalement au sujet d'Andrew à la police, a annoncé Republic sur le réseau social X, ex-Twitter. Les membres pointent la citation du prince Andrew, frère du roi dans les nouveaux éléments rendus publics mercredi 3 janvier. Le document est très clair sur le fait que, alors qu'elle se trouvait à Londres, une personne a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Andrew quand elle était mineure, affirme Republic, revenant sur des accusations que le prince de 63 ans a toujours contestées. La police londonienne n'a pas donné suite aux sollicitations de Republic. Crédit photo, agence. Two, three.